Raphaël Guerrero nous parle de Cristiano Ronaldo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du grand CR7. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, Raphaël Guerrero a été invité à beIN Sports et il a été interviewé. On va s'arrêter sur Cristiano Ronaldo. Les gars, Cristiano Ronaldo, j'espère vraiment qu'il va accepter. Qu'il est déjà vu, qu'il a âgé, qu'il ne pourra plus jouer les premiers rôles au Portugal. Parce que s'il accepte être de temps en temps sur le banc, pour moi, il n'y a pas de problème. S'il accepte être de temps en temps sur le banc, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais s'il veut imposer au coach, s'il veut imposer au joueur que non, il faut qu'il soit titulaire, il faut qu'il joue tous les matchs. Là, pour moi, il y a un problème. Parce que Ronaldo ne peut plus apporter sur 90 minutes au très haut niveau. Il ne peut plus apporter sur 90 minutes au très haut niveau. Du coup, donc, et les coachs le savent, hein, les coachs le savent, tous les coachs le savent déjà. C'est pour ça qu'il a quitté United. C'est pour ça qu'il a quitté Manchester United parce qu'il ne pouvait plus apporter au très haut niveau pendant longtemps. Mais est-ce qu'il va accepter ça? Pour le bien du Portugal, de l'équipe du Portugal, avoir Ronaldo dans son effectif, ce n'est pas mauvais. Si on l'appelle dans les 23, ce n'est pas mauvais. Il peut jouer le rôle du grand frère, encadrer les jeunes. Là, moi, je suis d'accord. Mais si c'est pour imposer être titulaire, pour moi, il y a un problème. Il n'y a plus forcément, il n'y a plus forcément les qualités pour jouer 90 minutes. Et je pense que c'est au coach aussi de causer avec lui pour lui dire, écoute, tu n'as plus le niveau pour jouer 90 minutes. Je vais te faire jouer mais des bouts de match. Je vais te faire jouer le bout de match. Donc le coach doit essayer de convaincre Ronaldo qu'il ne peut plus être titulaire tous les matchs, qu'il ne pourra plus jouer 90 minutes. C'est au coach de causer avec Ronaldo. Donc Ronaldo doit accepter jouer le rôle du grand frère en équipe du Portugal. S'il aime le Portugal, s'il veut vraiment que le Portugal progresse, s'il veut que le Portugal progresse, qu'il accepte jouer le rôle du grand frère. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.